crois que Los Plumos, si mes souvenirs sont bons, ça a dû commencer la première année où j'étais, où je suis rentré au CIR, c'était en 89. Pour Noël, à partir de novembre, décembre, on était à Paris. On a commencé par le quai de la gare et on a fini aux Arènes de Lutèce. Et pour le nouvel an qu'on a passé aux Arènes de Lutèce, on avait fait une petite fête. Et j'ai commencé à jouer un peu de guitare avec Robert, avec Marques au sax et tout ça. Et ça nous a donné l'idée pour la suite de monter deux, trois morceaux parce qu'on jouait à Besançon. On jouait à Besançon au printemps, juste avant de partir au Maroc. Je crois que ça devait être au mois de mars, un truc comme ça. Et on s'était dit que pour Bezac, ça serait sympa de monter un petit répertoire. Voilà, je crois que c'est comme ça que c'est parti en fait. Donc on a commencé à répéter. En même temps, je me rappelle qu'en même temps qu'on commençait à faire de la recherche pour nos animaux, justement. Et on a commencé à répéter un petit répertoire comme ça, qu'on a dû jouer pour la première fois. Voilà, à Besançon, on était place Battan, au-dessus du parking Battan. J'avais un peu stimulé les gens parce que j'avais envie de monter un truc plutôt rhythm and blues, tu vois. C'était l'époque où on écoutait les Blues Brothers, des trucs comme ça. Donc, comme là, à disposition, il y avait tout un orchestre avec le trombone, trompette, saxophone, clavier et tout. Moi, ça me bottait, tu vois, parce que dans tout ce que j'avais monté comme groupe avant, c'était guitare, basse, batterie, shampoing, quoi. Enfin, on avait joué avec Mathieu, un pote qui jouait du saxophone, mais un sax. Là, il y avait la section de cuivre totale, et donc on avait monté le répertoire basé essentiellement sur le rhythm and blues. Je crois que ça faisait plaisir à tout le monde. Hein. Il y avait oh, bah, des guests, il y en a eu quand on était à Besançon, justement, parce que tout le monde avait envie de mettre la main à la pâte. Alors, il y a Alex et Dom, Alex qui chante une chanson, Dom aussi. Il y a Karine qui avait chanté un truc à la Villette. Enfin, tout le monde, oui, il y avait des gens comme ça qui se greffaient sur le truc pour une soirée. Et puis, c'était vachement sympa, quoi. Ah, il y a même Dominique Rougier qui a fait partie de Los Plumos, ça, quand même, faut le signaler. Ouais, il reprenait un Neil Young. Il reprenait un Neil Young, je me rappelle plus ce que c'était. Je me rappelle plus le titre du morceau. Hey, hey, maman. Il chantait, alors, il avait sa guitare sèche et puis on l'accompagnait. Ouais, c'était pas mal. Tout le monde avait envie de s'éclater un petit coup, quoi. Tout le monde mettait son... C'était pas mal. Thank you.
plus à l'aise, Dominique. Johnny, fais-moi mal. Never let me go.
première semaine, nous avons un nouveau candidat. Il s'appelle Dominique Rougier.